et de la recherche scientifique. Je voudrais, avec votre permission, mesdames et messieurs... Quand un malade est devant moi, je suis plus malade que lui. Quoi de mieux pour résumer 60 ans d'engagement, de passion, de vie consacrée à la recherche en médecine traditionnelle. Microbiologiste et biologiste de formation, professeur Koblevi Aziadomain a été honoré ce 11 mars 2022 au Palais des Congrès à Cotonou. Une cérémonie organisée par le club Les Amis du professeur Koblevi Aziadomain. Quand on parle de la médecine traditionnelle, évidemment, beaucoup sont encore ceux qui pensent, hélas, que c'est quelque chose de primitif, quelque chose à l'opposé de la science, du charlatanisme. Fort heureusement, il y a parmi nous des personnes très avisées, très cultivées, qui ne sont pas dupes, qui ont cru dur comme fer que la voie tracée par nos ancêtres ne peut qu'avoir une issue heureuse parmi ces rares Africains. Il y a un digne fils du pays de Béhanzin, celui dont j'appelle ici le nom avec respect et déférence, le professeur Koblevi Aziadomain. Oui, il a su écouter le langage des plantes, il les a fait parler à son tour. Il a consacré presque toute sa vie à la recherche et a découvert l'inestimable trésor que nos ancêtres nous ont légué, la guérison des maladies par les plantes de notre environnement. Très respecté professeur Koblevi Aziadomain. La multitude de personnes qui ont utilisé les fruits de vos recherches et qui sont guéries de leur maladie sont reconnaissants et vous disent de tout cœur, par ma voix, merci. Conscient des mérites de l'homme, collègues et connaissances du professeur ont salué ses efforts dans le domaine de la médecine traditionnelle africaine qu'il a su révéler au monde. C'est un bonheur pour la Pénamétra de vous avoir comme président en exercice, professeur Koblevi Aziadomain. Pour hisser très haut l'étendard de la Pénamétra, en votre qualité de guide éclairé. Permettez-nous, au nom de tous les membres de la Pénamétra et des praticiens, praticiennes de la pharmacopée africaine, de vous porter le symbole significatif et honorifique d'hommage en votre rang et qualité de naturopathe émérite des peuples du monde. L'Institut de recherche en naturopathie et RENA du professeur Koblevi Aziadomain s'est imposé aujourd'hui comme une référence non seulement au Bénin mais dans la sous-région et au-delà. Nous venons aujourd'hui vous dire que vous êtes une source intarissable de savoir vivre un modèle d'humanité. Présent à la cérémonie qui a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives, plusieurs patients du professeur, ancien député, ancien ministre, témoignent de son savoir-faire. Je l'ai joint et il m'a répondu et je lui ai dit, professeur, je voudrais vous faire une interview de ce soir. Afin de permettre à ceux-là qui n'ont pas pu oser plus faire quelque chose à s'inspirer de votre parcours pour pouvoir entreprendre. Et il m'a dit accordé. Et je lui ai fait l'interview. Le jour de cette interview, il m'a donné deux flocons et deux bouteilles de son intention Nadia. Je suis rentré avec et le 20 janvier, c'était l'anniversaire de ma femme, Sébastien. Donc voilà. On a voulu spécialement célébrer cet anniversaire avec moi, elle et notre garçon Philippe. Quand on célébrait cet anniversaire, notre gardien faisait des va-et-vient. Il faut dire qu'il est dirigé. Et on a senti qu'il faisait des va-et-vient autour du plat de couscous. Il a été intéressé, il a dit bon, libre service, il est rentré. Mais nous, on pouvait savoir qu'il avait déjà empoisonné, il a mis du poison dans ce plat de couscous. Et le matin, il est parti. Autour de 10 heures, ma femme a commencé par avoir des maux de ventre. Elle est allée aux toilettes.
ses excréments. Elle est sortie, elle m'a dit, mais écoute, quand j'ai fait des excréments qui sentaient l'odeur du mouton pourri. Et moi-même, par la suite, autour de 11 heures, je suis allé aux toilettes. C'était autre chose, même odeur dans les toilettes. Puis après, il y a mon garçon qui est venu, revenu du coup à midi. Il m'a dit, papa, il dit, Philippe, il m'a dit, ah, qu'il a eu des maux de ventre. Et il est allé au soin, à l'hôpital. Mon frère m'a dit, écoute, lui, quand on s'est fait empoisonner. Et tout de suite, je me suis souvenu du flocon de Nadia que le professeur Azadou m'a donné. Et j'ai commencé à chacun, on prenait le couvercle, on en prenait deux pratiquement à 30 minutes. Ma femme, moi et mon enfant. On en a pris jusqu'à 15 heures et on s'est retrouvés. Ça nous a tous marqués. Ma femme aurait dû être là aujourd'hui, mais malheureusement, elle est occupée. Depuis ce jour, je ne cesse de parler de ce miracle que ma petite famille et moi avons eu à travers ce produit, cette invention du professeur Azadou Tobi. Vous m'excusez, c'est le bon souvenir. Le professeur n'est pas seulement quelqu'un de professeur de recherche scientifique, non. À travers sa manière de vous expliquer, sa manière de vous recevoir, je vous assure, psychologiquement, vous êtes à moitié guéri. C'est un grand barbare. Dans le grand oral, professeur Koglevi Aziadoma dit exercer un métier extraordinaire et bénit Dieu qui donne la guérison à travers lui. Il profite de cette occasion pour donner à tous les participants à cette cérémonie la vertu de plusieurs plantes médicinales et protectrices. Aucun trésor, aucun or, aucun diamant ne vaut ça. Quand un malade est devant moi, je suis plus malade que lui. Je sens plus la douleur que lui. Et je veux guérir tous les malades. Et Dieu merci. Je vois que je dois avoir l'un des meilleurs scores de réalisation de guérison. Je dis guérison, non. De traitement, puisque c'est Dieu qui guérit. Nous le traitons. Il faut avoir ça dans votre maison. Parce que dans son entonnoir, il y a toujours de l'eau. Et vous savez ce qu'on dit? Si mon vol est jamais. Quand vous allez dans la maison, vous ne manquerez jamais d'argent. Vous aurez toujours de l'argent. Oui. Moi, j'en ai pris dans ma maison, c'est pourquoi vous n'avez pas d'argent, mais. C'est pas grave. Hein? Ça, c'est Kessou. Ah. Vous savez comment on l'appelle? Il s'appelle Ake. Et il m'a Ake au Jotaméraon. Ake Degou, Amadé, Boussinkéa. Il n'est jamais plus haut qu'un demi-mètre. Hein. Mais c'est lui qui est le chef des plantes. Ou la chef-pêche, si vous préférez. Si vous avez des problèmes de mauvais esprit, mettez ça partout où vous êtes. C'est moi qui vous dis. Ça a 9 feuilles. C'est 9, non? Vous savez, on dit, c'est le. On l'appelle Isopo africain. Les gens disent faux Isopo. Non. Il n'est pas faux. C'est l'Isopo africain, ça. Lorsque vous voulez vous débarrasser de vos impuretés, ça vous purifie. Et si vous avez des problèmes de foie, triturez. Il ne faut pas préparer, hein? Triturez
C'est-à-dire, vous couchez, cultivez et commencez par boire. Vous allez voir que votre foie est sauvée.